J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Glossy Box du mois de juin. Donc comme vous voyez, une fois de plus, elle est de couleur rose. Alors je sais pas, mais ces temps-ci, il se foule vraiment pas niveau packaging de la boîte. Mais bon, on fait avec. Alors nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme toujours, le magazine explicatif des produits qui sont à l'intérieur. Ensuite, nous avons tout d'abord un bracelet comme ceci. Donc c'est un bracelet en tissu avec écrit Under the Sea. Puis nous avons une petite fiche avec écrit Programme minceur complet, simple et efficace, mini weight. Donc ça par contre, j'en ai pas l'utilité, moi j'ai pas besoin de maigrir. Alors niveau produit, tout d'abord nous avons de la marque Karl Lagerfeld. Donc ces temps-ci on reçoit souvent des produits de la marque Karl Lagerfeld. Donc là c'est un crayon à sourcils. Donc le prix 23 €. Alors ça j'aime beaucoup. Ensuite il y a de la marque Diamond Heart. Je ne sais vraiment pas comment que ça se dit. C'est en fait une base primer. Donc c'est une base de maquillage. Alors ça j'aime beaucoup aussi parce que j'en utilise souvent. Donc c'est 35 € les 35 ml. Donc là en l'occurrence on en a 15 ml. Donc oui, c'est une base de maquillage tout simplement. Alors je vais voir si ça tient vraiment le maquillage ou non. Je vais tester ça. Après nous avons de la marque Monuskin. Donc ceci, donc c'est une crème. Donc le prix 28,50 € les 15 ml. Donc là c'est 15 ml. Par contre dans le livret il le présente comme ceci. Comme vous voyez. Donc c'est pas du tout le même format. Mais bon. Donc qu'est-ce qu'ils disent? En fait oui, c'est une crème anti-cerne. Ainsi que, donc ça réduit efficacement les cernes et les poches. Donc ça j'aime bof bof hein. J'en utilise pas. Pas trop de ce genre de produit, mais bon. Après nous avons de la marque California Glam Senhor Do Bon Film. Donc c'est un sorte de spray. Alors en quoi ça consiste au juste? Donc avec ce spray capillaire à l'eau de mer signé Senhor Do Bon Film, quelques vaporisations sur la chevelure et vous voilà métamorphosé en beach girl ultra glamour et sexy. Ouais, bof. J'aime pas trop ce genre de produit. J'en ai déjà eu dans des box précédentes. Et c'est vrai que j'en ai pas trop l'utilité. Je vois pas trop en quoi ça consiste. À part donner une petite odeur aux cheveux. Mais autrement, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc c'est 18 € les 50 ml. Et là, c'est un... Je ne sais même pas combien de millilitres c'est. C'est même pas écrit. Je trouve pas. Ah si, c'est un 50 ml. Donc 18 €. Et le dernier produit dans la box ce mois-ci, donc c'est une poudre de la marque Manacador. 23 € les 9,5 grammes. Donc en fait, c'est une poudre compacte haute définition. Donc la marque s'engage pour vous garantir un make-up impeccable et longue tenue résistant à toutes les situations. Alors ça non plus, je suis pas trop fan. Moi comme dit, j'utilise plus des bases de maquillage pour faire tenir le maquillage. Les poudres, moi je trouve que voilà, non, j'aime pas les poudres tout court déjà, donc voilà, j'aime pas la matière poudreuse comme ça, mais bon. Donc voilà, concernant les produits, c'est tout. Alors ce mois-ci, je suis plutôt déçue. À part le crayon à sourcils, ça j'aime beaucoup. Et la base de maquillage comme ceci de la marque Diamond Hair. Après, comme dit, il faut que je la teste pour voir ce que ça vaut vraiment. Mais autrement, le reste des produits, bof. J'aurais préféré maintenant recevoir le mascara. Donc celui-ci. Ou même les bandes de cire froide, là. J'aurais préféré avoir que la crème anti-cerne, dont je n'utilise pas du tout. Mais bon, après, hein, on ne choisit pas ce qu'on reçoit. Ces temps-ci, je suis vraiment déçue des Glossy Box. De plus en plus, mon abonnement va pas tarder à se terminer. Donc, je ne sais pas si je vais me réabonner.
Mais si vous, vous avez des box beauté à me conseiller, bah dites-moi par commentaire lesquelles sont bien. Parce que je trouve que les Glossy Box, il y a vraiment souvent, mais très souvent, des crèmes à l'intérieur. Alors qu'ils pourraient très bien de temps en temps nous mettre des vernis, des rouges à lèvres, des crayons, des blushs ou peu importe. Mais c'est vrai, tout le temps, on a tout le temps des crèmes. Si c'est pas une crème pour les mains, c'est une crème pour le visage, une crème anti-cerne. Et c'est vrai que je trouve ça saoulant à force, mais bon. Dites-moi donc par commentaire quelle box vous me conseillez et j'irai voir si oui ou non je m'abonne à une autre box. Donc voilà, concernant la vidéo, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que ma FAQ est toujours ouverte, donc ma foire aux questions où vous posez toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire également. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le histoire de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je vais vous dire à très vite pour une prochaine. Salut !